Donc j'appartiens à une société qui s'appelle Arkea OnLive, société qui est positionnée donc sur les fonctions de téléassistance et de maintien à domicile des personnes âgées. Alors c'est très simple et en fait il répond aux besoins donc de fonctions de téléassistance pour personnes âgées, personnes dépendantes, à savoir donc favoriser le maintien à domicile, permettre à une personne en cas de difficulté d'être mise en relation rapidement avec soit la famille, soit des secours, quand notamment en cas de chute ou de difficultés majeures de santé. Donc c'est la fonction principale de notre société. Et pour cela, donc, nous développons de nouvelles offres innovantes qui vont également dans le sens du lien social et du maintien à domicile. La prochaine étape de notre développement est une nouvelle innovation dans le domaine de la téléassistance à domicile que nous appelons la téléassistance connectée. Donc c'est un nouveau dispositif qui favorisera donc le lien social, le maintien à domicile, en intégrant également sur notre dispositif donc une interaction, un écran, avec la mise à disposition de fonctions telles que le lien avec les enfants, un réseau social donc enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, et également donc des fonctions d'accès à des médecins pour aussi des conseils de santé. Donc c'est vraiment une innovation avec cette interaction qui n'était pas autorisée avant sur les anciens systèmes de téléassistance et que nous allons commercialiser dès le 1er janvier 2017. Pour développer ce nouveau service, donc, nous avons en effet quelques besoins, et notamment la nécessité de travailler aussi avec des partenaires, tant au niveau de la mise à disposition de ces nouveaux services que de l'installation de ces dispositifs à domicile. C'est pour ça que nous créons des partenariats donc, au niveau national, pour favoriser le déploiement de ces nouveaux services interactifs.